Quando narungo akiliwa Retinkere nyaro ndiwe Dono nagini ya Kerehe, kerehe Okuwa mye jore mbiambie Ande jore orema Nango moka zimbiwe Kedwa no miyaka fangijua Nanyaneno Ongwe Hari hari eniwe Il s'agit d'une dette qui a amené au déchirement d'une famille parce qu'elle a pu se débarrasser d'un de ses enfants, d'une de ses filles. Voilà. Et moyennant 100 francs, voilà, c'est ce que dit l'histoire. Et nous sommes quand même à l'époque coloniale où les sociétés autochtones avaient l'argent n'était pas quelque chose de courant dans la société traditionnelle. Et donc, pour une famille, donc la famille d'Agoulé, la famille de l'héroïne du récit, n'avait pas ces 100 francs qu'il fallait payer en fait comme impôt de capitation, voilà, des pratiques qui existaient sous la coloniale. Voilà. N'ayant pas cet impôt, et ben, de fil en aiguille, la famille a dû se séparer de ses enfants pour réparer cette dette. Voilà. Question tout à l'heure, il y avait notamment madame le doyen de la flèche, qui est historienne de spécialité, voilà, qui a bien dit que c'était une pratique qui existait dans la société, dans la culture labonaise. Voilà. On donnait en rançon soit des biens matériels, soit des enfants, etc. C'était une pratique. Voilà. Et quand une œuvre vient de paraître, c'est comme un enfant paraît. Un enfant, quand il paraît, fait toujours plaisir, rend heureux. C'est une œuvre qui est prometteuse. C'est une œuvre qui est multidimensionnelle parce qu'elle est à la fois historique, sociale, elle a une dimension psychologique, on va dire affective, cathartique. Cathartique, c'est-à-dire que, à mon sens, l'auteur s'est souvenu d'une tragédie ou d'un drame familial qu'elle a voulu transcrire pour que ce drame soit connu de tous. Parce que c'est un drame qui s'est produit à l'époque coloniale. Le mariage forcé, l'abandon, voyez, des enfants fait par exemple, des colons. C'est une œuvre qui a une ouverture sur le monde parce qu'elle traite de problèmes actuels. C'est un regard, le regard porté par l'auteur est un regard de l'intellectuel, un regard post-colonial. Donc à ce titre, je pense qu'elle s'adresse à l'univers, à l'environnement scientifique. Pourquoi? Parce qu'elle traite de problèmes donc de relecture de l'histoire par des sujets, par des personnes qui ont plus ou moins vécu cette histoire et qui la connaissent. Hein? Ce n'est pas une histoire inventée. Donc à ce titre, il y a d'abord le caractère historique qui est très revalorisant et qui est qui offre une possibilité aux hommes de connaître notre histoire, l'histoire du Gabon, qui s'incorpore dans l'histoire mondiale parce qu'on part quand même de l'époque coloniale. Voilà, un premier point. Et sur le plan scientifique, on vous a parlé de la force sociologique, des pratiques sociologiques, des pratiques sociales. On vous a parlé de la richesse des pratiques culinaires. On vous a parlé du regard porté sur la tradition, sur le mariage coutumier et sur le rôle de la femme africaine dans la société africaine comme éducatrice, comme porteuse également de savoir. Oui, je n'ai pas lu cet ouvrage avec une vision de femme. Non, j'ai lu cet ouvrage avec une vision humaine. Parce que l'histoire qui est racontée dans cet ouvrage, c'est un drame. C'est un drame et c'est d'autant plus un drame que c'est aujourd'hui que j'apprends que c'est une histoire réelle qui touche directement la famille de l'auteur. C'est comme je l'ai dit, c'est le fruit de la misère et de la prédation coloniale. On vend un être humain pour une dette de 100 francs et on l'arrache à sa famille, à son identité. Elle devient toute une autre personne. C'est un drame
et je n'ai pas vu que c'était une affaire. Cette affaire aurait pu être racontée par un homme, par n'importe qui. Et c'est tellement passionnant que dès que vous ouvrez le livre, vous ne lâchez plus le livre parce que vous avez envie de savoir. Mais c'est vraiment touchant de savoir que c'est l'histoire personnelle. Doni daba kiliwa kerehe kerehe undo narugo kiliwa redin kere nyarondiwe dono neginia kerehe kerehe okuwa miejo gembiabie ande jogorema Nango moka zimbiwa, fedwa no miega fangijua Nanyaneno, ongwe, hari hari eniwe, ongwe